Salut tout le monde, alors on se retrouve sur Dragon Ball Z Xenoverse. C'est un jeu d'action. Vous pouvez le trouver sur Steam. Il est à peu près 49 euros, je crois, ou 50 euros. Après, vous pourrez le trouver autre part moins cher, bien sûr, ça se trouve. Hein. Et c'est un jeu qui se joue solo ou multi. C'est comme vous voulez. Il est sorti le 26 février 2015. Alors ça, il est tout jeune, il est tout récent. Et il a été édité par Bandai, par Naiko Bandai. Bandai, j'ai bien à le dire. Alors là, on va reprendre ma partie où j'en étais. J'y joue quand je suis en live dessus. Alors je vous mettrai le lien de mon live. Puis un jour, si vous voulez passer pour regarder quand je joue à jeu là ou même à d'autres jeux, vous pouvez. Et alors là, on va en reprendre où j'en suis. Alors, on verra. Alors oui, pour info. Moi, bon, c'est pas quelque chose à faire, je dis pas de le faire. Moi, c'est la version craquée, c'est pas la version payante parce que je jouerai jamais en ligne déjà, je là, c'est pas mon délire. Et j'ai préféré le craquer parce que 50 balles pour un Dragon Ball Z, voilà quoi, c'est un peu cher quand même. Et je mettrai dans la description s'il existe sur, s'il est sorti sur PS4 et Xbox 360, Xbox One, pardon. Voilà, allez, c'est parti. Hop, j'écris un message, désolé. Allez. Vegeta. Ok, pas de soucis. Alors, je dois aller où? Ursula. Oh, la gueule qu'elle a, elle. Ok, bah, je vais faire ma quête, hein. Alors je vais vous montrer vite fait quand même. Alors voilà mon personnage. Alors vous pouvez complètement le personnaliser. Hein. Vous allez voilà modifier l'équipement. Bon, j'ai pas beaucoup d'équipements. J'ai juste eu ça deux équipements. Comme vous pouvez voir. Voilà, j'ai pris des. Après la main, le pied, l'accessoire, c'est le détecteur. AMZ, je sais pas c'est du tout c'est quoi. Ça me dit. Merde. Voilà, on peut mettre des nouvelles techniques qu'on peut acheter ou gagner quand on va chercher un maître. Par exemple, moi mon maître c'est Vegeta pour l'instant. Voilà, pour l'instant j'ai que ça comme technique. On peut améliorer ses attributs. Ouais, j'en ai amélioré, tiens. On va mettre attaque de base niveau 5, santé masse niveau 5, ki niveau 5, super frappe ça, 5, on va remonter 7. Ouais, voilà. On peut les objets, les capsules de soins ou de force de puissance que faut les équiper bien sûr. Hein. On les équipe ici dans la ville. Après, bah, le sac, ce qu'on a. Voilà. Par exemple, j'ai que ça. Bon, je prends que des soins, les autres, je m'en sers pas pour l'instant. Les techniques qu'on a. Évasion, tout. Ascension. Il y a pas mal de techniques quand même. Il y en a pas mal. Et équipement. Ok. Alors c'est dommage, c'est que. On peut pas, quand on va acheter une tenue par exemple, quand on va dans les magasins, on peut pas voir la tenue. Tu peux pas la voir, t'es obligé de l'acheter. Alors soit tu te mets à l'idée. Là on est dans la zone pour tout ce qui est combat ou mission en ligne ou non en ligne. Mais moi comme je vous dis, je peux pas jouer en ligne. Alors ici ça me regarde pas. Là c'est des quêtes qu'on peut faire, des quêtes parallèles pour s'améliorer, pour monter son XP, pour avoir de l'XP et tout. Par exemple. À côté, la chambre du temps, c'est pour aller faire les quêtes principales. Et la quartier industriel, c'est bah, pour acheter tout ce qui est équipement, de soins, uniformes, épée, armes. Par exemple, on peut avoir une épée, par exemple. Bon, on va continuer les quêtes principales. Et après, je ferai une quête parallèle. Quête parallèle, je vais me faire un petit groupe.
on peut faire un groupe de soldats qu'on a gratuitement du 1 au 10, c'est des gratuits, et après il faut les payer bien sûr pour les avoir. Sinon... Alors j'espère que ce jeu vous plaira. Bon, je viens tout juste de commencer, hein. Je suis level combien? Niveau 11, voilà. Alors, et ça, bon, pour l'instant ça monte vite, hein. J'ai fait 3, 2 quêtes principales. C'est parti, tu veux partir en mission? Oui. C'est parti. Alors Trunks, c'est le gars qui nous donne les missions dans le jeu. C'est Trunks. Alors vous remontez dans le temps, dans les combats qu'il y a eu les plus importants, et en fait on doit changer le cours de l'histoire parce que ils deviennent plus forts, et les ennemis en fait ils tuent même des personnes qui ne doivent pas mourir par exemple. Ils sont petits cons ceux-là. Mais ils ont balayé. Franchement, il est bien fait. Le jeu est magnifique. Je le trouve super beau. Et ça me fait penser à Dragon Ball Z Online. Je sais pas, il n'y en a pas beaucoup qui ont connu. C'était un jeu chinois ou japonais. Je sais plus. Ou bah c'était un MMO comme World of Warcraft et tu crées ton perso pareil et tu faisais ton équipement. Et ce jeu me fait penser à lui. Il me fait beaucoup penser à lui. Ah Vegeta! Oh. Mais... Ah. Oh Vegeta. Ça en principe c'est pas arrivé. Ouais, je m'en occupe. C'est parti, alors on va vous montrer la phase de combat. J'ai déliré celui-là. Alors c'est, ils deviennent beaucoup plus forts là. En fait, c'est deux personnes, on sait pas c'est qui pour l'instant, qui leur donne le pouvoir de changer l'histoire en fait. Ou bah Rikon. Ok, pas de soucis. Et je crois que je suis tout seul face à eux. Mais voilà. Comment je suis trop beau avec le tenue de Rabbit. Oh. Alors comme vous voyez il est aussi fluide hein, que ce qu'on retrouvait sur PS3, même Xbox Xbox 360. Et merde. Alors moi je l'ai réglé sur manette. Vous pouvez jouer clavier souris. Après c'est vous votre style. Voilà une technique que Vegeta m'a appris par exemple. Oh oh oh, je me défends jamais dans le jeu, déjà même avant sur les consoles. Allez. Ah fuck. Bon, pleine face. Et franchement le kiff de rejouer à Dragon Ball Z quoi depuis des années. Dernier Dragon Ball Z que j'ai joué, dernière en date, c'était Dragon Ball Z de Tekkaichi 3 sur GameCube. Alors je vous dis pas que ça remonte un petit temps quand même, parce que la GameCube maintenant elle est finie.
Oh, oh la vie. Ah mince, j'ai pas pris la potion de soin à temps. Bon voilà, comment mourir facilement. Désolé, franchement, je suis désolé. On va refaire le combat, on va refaire le combat. Ne vous inquiétez pas. On va passer ça. Passer ça. Passer ça. Non, c'est le chargement. Passer ça. Ok, allez, on reprend. Alors ils disent qu'il y a un autre gars. J'aimerais savoir où il est. Il a combien de vitesse? 954. Ok. Franchement, cette attaque de Vegeta qui m'a donné a tué comme pas possible. Hein. Alors, voilà, voilà. Oh, je me fais full d'attaque. Voilà, je prends un soin. Ah, je l'ai loupé. Dommage, dommage. Hop, petit enchaînement. J'ai pas le Kamea. Non, toujours pas. Alors, j'ai un Kamea. Bon, c'est pas le Kamehameha que Sangoku fait. Il est pas aussi stylé. Bon, désolé si je n'arrive pas à bien cibler le gars. Voilà. Oh, je mets ce que je lui mets dans la face. Alors le jeu, on choisit pas la difficulté, hein. J'ai pas choisi la difficulté, franchement. Alors je sais pas du tout la di. Peut-être après c'est au niveau des héros qu'on va battre. Ça va augmenter la difficulté. Wow, 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 wow. Oh l'enchaînement. Oh quel bel enchaînement qu'il me fait. Allez. Oh là là. Ah putain, c'est pas ça que je veux faire. À force. Oh l'esquive qu'il m'a mis. Oh oui Gohan. Ah putain. Oh petit enchaînement. Oui. Lève-toi. Oh. Eh, il se le mange pas. Alors ça c'est un truc qui est mal fait, même s'il est à terre. Que tu mettes une attaque comme ça, ça ne fonctionne pas. Je comprends pas pourquoi. Vegeta. Non, Vegeta. Bon, on va finir lui. Alors, je sais que je peux réanimer mes gars. Mais je sais plus... je sais pas comment faire. Bah, je sais comment... Je sais pas. Ok, j'ai plus de potion de soin. Voilà, c'est fait. Non, mais j'ai Vegeta, je vais le retrouver vivant après. Alors les quêtes font soit ça dure que une mission, soit deux, ça dépend en fait de l'histoire. Sangoku vs Go Commando Genius. Réduire l'incendie ennemi jusqu'à un certain niveau. Ok. Alors je sais que j'ai perdu la vie que j'ai perdue, je l'ai encore perdue. Ah, elle est pas remontée là. J'ai ma vie basse alors. Avec son Shugo. Allez, retourne chez toi. Nani mono da ?
mort. C'est Sangoku, mec. Oh putain, à chaque fois je me la mange cette attaque. Merde. Oh. Bim bim bim, petit enchaînement. Oh oui. Petite boule. Alors j'aime pas du tout mes attaques de boule. C'est vraiment les petites boules de rien du tout. Oh mais putain. Alors oui, pour l'instant j'ai la tenue de Rabbit. Je sais que c'est un peu voilà. Mais c'est pas celle-là que je voudrais, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est que pour l'instant j'ai trouvé sympa de celle-là. Oui. Oh. 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 Je l'ai pas vu m'attaquer. Alors je comprends pas, l'attaque tu te la bouffes, mais en vrai tu te manges que dalle. Voilà. Je comprends pas. Mais franchement, quand même, la qualité du jeu reste quand même super. On dirait quand même un... Même que je suis sur PC. Moi, je suis sur PC. Je sais pas si je vous l'ai dit. Mais il est quand même magnifique. On est quand même 3 contre 1. Hein. Aïe, 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 aïe. Alors là, je galère.